អញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការនៅព្រឹកនេះតាមរបៀបវរៈគ្រូទុកយើងបន្តស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញចំនួន2រូបដែលធ្វើសកម្មភាពការពីម្សិលមិញហើយមិនទាន់ចប់ដោយនៅការតាំងសំណួរពីមេធាវីការពីក្តីអន្តរជាតិមួយរូបទៀតហើយមុននឹងបុគ្គលវិទ្យានេះទៅមេធាវីការពីក្តីនឹងជំរះអញ្ជើញក្លាមជីសមាការឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសមាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានភាគីដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនលើកលែងតែមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុមទី2និងក្រុមទី4អវត្តមានអ្នកជំនាញដែលត្រូវមកផ្ដល់សកម្មភាពក្នុងថ្ងៃនេះលោកកាស៊ុនបណ្ណាតនិងលោកស្រីហ្វ្រង់សัวស៊ីរូនីគីបូមានវត្តមានតាមចំណាយឯសាក់សៃដែលត្រូវមកផ្ដល់សកម្មភាពបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញទាំងពីររូបមានសាក់សៃ D1 D2 D3 D4 D5 និង D6 មានវត្តមានរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសាក់សៃទាំង6រូបនេះមិនមានចំណងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតឬភៀកគេដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនោះទេសាក់សៃទាំង6រូបបានស្បត់រួចហើយសូមអញ្ជើញមេធាវីអឡាវ៉ាក់ណឺBonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Juste deux choses rapidement. La première, c'est qu'il y a eu un problème. Alors peut-être c'est un problème d'interprétation. Ce ne sont pas les avocats des groupes 2 et 3 qui ne sont pas présents, mais les avocats des groupes 2 et 4. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai une requête très rapide, Monsieur le Président. Comme vous le savez, je l'ai annoncé hier matin au début d'audience, les parties civiles qui devaient être présents ont écrit une lettre ouverte à votre chambre. Et comme vous le savez également, la lettre ouverte et les avocats n'étaient pas partis à cette démarche. La lettre ouverte a été transmise au greffier parce que les parties civiles voulaient que la Chambre puisse lire cette lettre. Et nous avons été informés hier après l'audience par vos greffiers que la lettre n'avait pas pu vous parvenir parce qu'elle n'avait pas été déposée selon les formes prescrites. Alors, deux choses. Cette lettre est extrêmement courte et il me prendrait virtuellement une minute pour la lire. Et c'est ce que je me propose de faire avec votre accord. Et si vous ne voulez pas que, au nom de nos, des parties civiles qui ne sont pas présentes, je vous lis cette lettre, ce qui me semble plus simple, alors nous ferons en sorte que cette lettre soit formellement déposée au dossier. Mais il ne me semble pas que ce soit la place de cette lettre. Les parties civiles veulent simplement que vous puissiez les entendre. C'est la raison pour laquelle je demande une minute la lettre. Fait 5 paragraphes, une minute pour pouvoir vous lire cette lettre. Et comme ça, les parties civiles auront... sauront et nous leur dirons que vous avez entendu ce qu'elles voulaient vous dire. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, juste deux choses rapidement. La première, c'est qu'il y a eu un problème
Look, may we allow it now? Jane Groucho. Look, man, look like I'm be licked the bar. Down with Angra Rodney, William Noon. They look man, look like Capi Massamming. Hi, look at Anta Man Dat Jun Nogalamaji with Hi. Some no so ta. តើលិខិតនោះជាលិខិតរបស់អ្នកណាគេជារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីហើយការស្នើដាក់នោះដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីឬក៏មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីស្នើដាក់យើងមើលលក្ខណៈនៅទម្រង់នៃលិខិតនោះគឺមិនបានមានទម្រង់តាមបែបផែននៃការណែនាំអំពីការដាក់ឯកសារនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងបញ្ញានេះលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លើ បំណងនៃការស្នើសុំដាក់ឯកសារនោះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ Merci pour votre question, Monsieur le Président. Sur la façon exacte dont se sont passées les choses, vos greffiers seront plus à même de vous informer que je ne le suis. Ma compréhension, c'est que les parties civiles directement ont fait parvenir elles-mêmes cette lettre à votre chambre. Et cette lettre n'est pas une lettre d'avocat, elle est signée par 28 parties civiles. Nous, comme je vous l'ai indiqué hier matin, nous ne sommes pas signataires de cette lettre, ce n'est pas un acte judiciaire, raison pour laquelle nous ne sommes pas partie prenante à cette démarche maintenant. Parce que cette lettre n'a pas été acceptée selon les formes et que vos greffiers nous ont informés de ce fait et que le but de cette lettre est que vous puissiez entendre ce qui est dans cette lettre. Nous vous proposons, et c'est la façon, à mon avis, la plus économe, qui prendra le moins de temps, il n'y aura pas besoin de traduction, il n'y aura pas besoin que de nouveau nous fassions une demande écrite, simplement de prendre une minute de votre temps et de vous lire cette lettre, comme ça vous aurez entendu ce que les parties civiles veulent vous dire, et ce sera dans les transcriptions. Si vous n'acceptez pas cette demande, alors les avocats des parties civiles en question feront une demande écrite qui devra être traduite en trois langues et qui devra être versée au dossier. Si c'est ce que vous préférez, nous ferons, comme vous l'entendez simplement, je me permettais de vous offrir, de proposer une autre solution qui me semble être la meilleure solution, comme ça dans 5 minutes. Cette lettre a été lue, vous avez entendu ce que les parties civiles signataires voulaient vous dire et nous n'aurons pas besoin de déposer une motion écrite qui devrait être traduite dans 3 langues. Je vous remercie. Le clair dans le cadre de Bakwa, d'ailleurs, on jambait tout le cas pour prendre le CMC noté. J'ai aïe que ça nous. ការដែលលោកមេធាវីអាឡាំងវេណឺបានលើកឡើងនេះអង្គជំនុំជម្រះបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទថាយល់ព្រមឲ្យដាក់ឯកសារនេះចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាឡាំងវេណឺអាននៅលិខិតនោះទេ ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមប្រគល់វេទិកាទៅមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិដើម្បីអាចសួរសំណួរទៅដល់អ្នកជំនាញទាំងពីររូបនេះហើយលោកមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិមានពេលវេលា40 មិនិតក្នុងការតាំងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញ Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour, Madame et Monsieur l'expert. Monsieur le Président, je vais essayer de poser mes questions en 40 minutes et si je n'y arrive pas, je vous demanderai un petit délai supplémentaire. Madame et Monsieur l'expert, tout d'abord, je voulais vous demander si nous pouvions apporter ensemble deux petites rectifications de forme à la demande de l'accusé. Vous auriez été surpris qu'il ne soit pas méticuleux jusqu'au bout. Et donc, l'accusé souhaitait, avec votre accord, que l'on rectifie dans la version française à la page 23, et quand vous avez indiqué qu'il a quatre enfants, une fille née le 27 avril 1977, un garçon né le 14 décembre 1978, une fille née le 30 juin 1981, en réalité c'est un fils. Et je crois que vous en avez parlé ensemble, donc pour les besoins de la transcription, je voulais apporter avec votre accord cette correction. Autre correction, à la page 27 de votre rapport, et cela fait suite à une question du juge Lavergne hier. À la page 27 en français, vous indiquez, par contre, vous ne se souvient plus du nombre de victimes à S21 au début de la procédure d'instruction, alors qu'il avait les registres et les photos à sa disposition à l'époque. Il avance le chiffre de 200 victimes. Il doit y avoir une confusion parce qu'effectivement, vérification faite dans le procès-verbaux d'audition, ce chiffre n'est pas avancé. Vous avez raison de dire qu'il n'avance pas de chiffre du tout, mais il ne parle pas de 200 victimes. Voilà, je voulais juste, pour nous faire encore les transcripts, par ce souci que vous connaissez, une personne de sa méticulosité, vous faire part de cette observation. Vous ne trouverez pas, sauf erreur de notre part, dans les procès-verbaux d'instruction, ce chiffre de 200 victimes. Pardon pour cela. J'en viens donc à mes questions. Et je vous dirai d'abord, Madame et Monsieur l'expert, mais les remerciements de la défense pour les explications que vous avez fournies à cette barre, qui ne sont, comme vous l'avez rappelé, en aucun cas des justifications, mais qui sont une tentative de comprendre comment est devenu Duc. Je dirais en préliminaire de ma première question et que j'ai été consterné de la manière dont le bureau des co-procureurs semble analyser la situation et apparemment donc n'est pas aujourd'hui le seul dans le déni. Monsieur le co-procureur, vous m'interrompez si je dis un seul mot qui n'est pas dans le dossier. Dans ma question, qui est la question suivante. Duc a dit qu'il avait été lâche. Duc a dit
qu'il n'avait pas osé regarder. Qu'il n'avait pas osé voir ses amis en détention. Donc, a dit qu'il avait certes obéi aux ordres, mais qu'il était responsable de tout ce qui s'était passé à S21. Duc a accepté de participer à la reconstitution à Chungkaek et à S21. Duc a coopéré avec les juges d'instruction comme ceci l'affirme au paragraphe 167 de l'ordonnance de renvoi. Duc a reconnu 85%, nous avons fait le calcul, 85% des faits proposés par le procureur. Et je vous explique, nous avons reçu au mois de janvier 168, je crois, paragraphes des procureurs demandant à ce que Duc reconnaisse ces paragraphes. Il a reconnu 85% de ces paragraphes. Duc a demandé pardon aux victimes en leur disant « Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je vous demande pardon. » Alors, madame et monsieur l'expert, face à ces évidences qui résultent du dossier, qui résultent des débats, qui résultent aussi de ce que vous avez vu vous-même, à savoir que vous-même avait dit qu'il a coopéré avec nous. Ma question, ma première question, est-ce une démarche facile pour qui que ce soit, et particulièrement, je dirais, pour un Cambodgien, de se mettre ainsi à nu en public, de reconnaître en public ses responsabilités devant des crimes aussi graves? Ma première question, s'il vous plaît, est-ce facile pour un homme, quel qu'il soit, et pour Duc en particulier, de faire une telle démarche? Certes non, Maître Roux, ce n'est pas facile pour quiconque et ce n'est pas facile pour Duc de faire cette démarche. Et si vous permettez, je peux rajouter un commentaire sur l'évolution psychologique que nous avons aussi constatée au cours de ces différents entretiens. Nous l'avons vu et analysé depuis un an. Nous l'avons revu récemment. C'est un processus. La reconnaissance parle de facilité, est-ce que c'est facile? Mais je parlerai également du processus parce que l'accusé passe par différentes phases pour un certain nombre de faits auxquels nous avons discuté avec lui. Il peut y avoir dans un premier temps une volonté de non reconnaissance. Je parle bien des mécanismes. Ensuite, il y a une délégation, c'est-à-dire une acceptation, toujours dans un processus, dans un deuxième temps, de fait, c'est-à-dire certains sont acceptés, d'autres non, on est dans une partie de la vérité de ce qu'il peut admettre, vous dire, et dans un troisième temps,
Nous n'avons pas d'autres accusés, un processus de reconnaissance. Non, car on a eu le bon quoi, je suis un criminel, je me sens coupable, je suis un criminel, je me sens coupable, le sentiment de dévalorisation, une accusation, une accusation, Merci beaucoup. Vous avez anticipé sur les questions suivantes, qui étaient effectivement est-ce que nous sommes bien dans un processus ? Et c'est ce que vous venez de nous dire. Et j'ajouterai, est-ce que dans ce processus, il peut y avoir encore des blocages, des choses qui sont tellement lourdes à assumer qu'on n'arrive pas à les exprimer? Est-ce que ça vous paraît faire partie du processus? Oui, Maître Roux, cela peut faire partie du processus. Comme vous dites, soit parce qu'il y a des choses trop lourdes encore à accepter et qu'effectivement l'acceptation des choses lourdes passe toujours par un processus chez tout le monde. Ce processus peut prendre plus de temps, cela dépend aussi de la conscience et de l'acceptation. Je veux dire, c'est lui, mais c'est plus général, donc nous sommes bien dans un processus. Et j'ajouterais qu'il y a à prendre en compte la prégnance de la fabrication dont on parlait et qui est encore présente. D'un point de vue, on imagine un champ de possibilités, on se redéploie différentes différents champs, ou c'est un mécanisme, ou c'est des choses sont mobiles. Vous n'avez pas, ni l'un ni l'autre, souhaité répondre directement, et je comprends et le respecte aux questions qui vous ont été posées quant à la sincérité de ces remords. Mais est-ce que je peux vous poser la question suivante? Est-ce que selon vous, il est sincère dans le processus dans lequel il est engagé, dans ce processus de reconnaissance de responsabilité? Est-ce que vous sentez de la sincérité? Est-ce que là, vous pouvez vous prononcer? Si vous permettez, je vais répondre d'abord et on verra, je donnerai la parole à mon collègue.
Oui, maître Roux, nous avons pris en... En tout cas, pour ma part, je sais que nous en avons discuté aussi, il y a de la sincérité, pour reprendre votre terme, dans ce processus. J'ajouterais également pour complexifier la question, ce n'est pas pour mettre en doute le terme que vous utilisez de sincérité, c'est pour le complexifier. Chacun de nous, nous sommes tous dans des stratégies d'existence. L'accusé a aussi une stratégie d'existence. Et ce n'est pas pour le rendre pervers, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y a aussi là-dedans. Cette part-là, elle est consciente. Il y a ce mécanisme, il y a aussi cet élément-là de prise en compte de ce qui est en train, de se passer pour lui, pour l'histoire de son pays, à ce moment-là de l'histoire. Du processus ou les... Si vous êtes d'accord, c'est bon? ស្វែងរកនោះគឺផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកឡើងផងដែរថាលោកដូចនៅពេលដែលបានជួបសម្ភារជាមួយពួកយើងពេលនោះយើងមិនបានសួរនាំអំពីអ្វីទាំងអស់នៅឡើយទេតែលោកបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាលោកនឹងធ្វើការសុំទោសដូច្នេះស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះយើងអាចឆ្លងបញ្ចាំងផងដែរថាតើលោកមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការសំដែងការសុំទោសនឹងឬក៏ដោយមានសម្ពាធពីណាមួយត្រង់នេះខ្ញុំគាត់តែបង្ហាញអំពីសភាពការដែលស្ថានភាពដែលលោកដូចគាត់បាននិយាយថាក៏មានបំណងសុំទោស ដើម្បីយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើវាអាចមានភាពស្មោះត្រង់ឬក៏អាចមកពីមានសម្ពាធឬក៏មានគោលបំណងណាផ្សេងពីនេះទៀតដោយសារយើងខ្ញុំមិនបានធ្វើការពិចារណានិងស្វែងយល់ឲ្យដល់ថានេះជាការឆ្លើយដោយភាពស្មោះត្រង់ឬក៏អត់ទេខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនដោយស្មោះត្រង់ Permettez que je rajoute un point. Oui, je voudrais revenir juste sur la question de la sincérité. Comme dit mon collègue, nous n'avions pas pour mission de devenir des détecteurs de mensonges. Ce n'est pas le but d'une expertise. Mais comme nous étions mandatés en tant qu'experts, il était toujours de notre rôle et de notre devoir de voir quelles étaient effectivement malgré tout de toujours avoir en tête que nous ne sommes pas dans des entretiens de psychothérapie, de soins, que nous étions dans un cadre juridique et qu'il s'agissait aussi de confronter les différents éléments et malgré tout de savoir si on n'était pas dans une manipulation des experts ou pas. Et là, nous pouvons répondre que non, à aucun moment nous n'avons eu l'impression, qu'il y a eu manipulation, nous l'avons développé dans le rapport, ce n'était pas question de cela. Donc, par rapport à cela, on peut parler de sincérité et de sincérité dans le processus. ថាការស្មោះត្រង់នេះមិនមែនជាប្រធានបទមួយដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍នោះទេ Alors votre réponse à tous les deux amène une autre question à propos de ce processus
Faut-il l'encourager? Ou faut-il le blâmer de ne pas encore en dire assez? Maître, a priori, je dirais ni l'un ni l'autre. En tant qu'expert, on ne peut pas blâmer un homme tel qu'il soit, sinon dans une idée qu'il existe des monstres, qu'il existe une essence des diables ou des personnes qui ont... qui sont malveillantes, ce n'est pas du tout notre conception de la, du fonctionnement psychologique d'un individu. Ce dont il est blâmé, du point de vue d'une victime d'un pays, je peux très bien, je peux comprendre un certain, beaucoup de choses, bien évidemment. Là, nous parlons du point de vue des experts, nous ne pouvons ni blâmer, ni encourager au sens de l'amener à présenter des excuses. Nous avons dit que c'est un processus, psychique, et chaque individu, chaque sujet est singulier. C'est-à-dire que, compte tenu de tous les éléments de sa vie, les éléments de sa petite enfance, de tout ce qu'il a connu dans sa vie, il est d'une certaine manière unique. Et chaque sujet a le temps, on ne peut ni l'accélérer, ni le ralentir, mais on peut faire en sorte d'accompagner le sujet donné, l'accusé, dans ce processus. Mais on ne peut ni l'accélérer, ni le... Nous sommes en train de faire un peu de temps. Je tiens à porter à la connaissance de Maître Roux et de la Cour que préalablement au début, au commencement des différents entretiens d'expertise, nous nous sommes rencontrés avec le professeur Kasun Bonat à plusieurs reprises. Nous avons également rencontré l'interprète qui a travaillé avec nous l'année dernière lors des 13 entretiens, M. Chanora, assermenté par la Cour. Et nous avons discuté chacun, enfin en privé, entre nous, de ce qui nous a amené de cette part, on pourrait dire contre-transférentielle, de la part de notre propre histoire, qu'est-ce qui nous a amené à être là, ensemble, même si nous n'avons pas décidé. C'était très important parce qu'il s'agissait pour chacun d'entre nous d'arriver à cet exercice de neutralité, à cette posture de neutralité dont parlait mon collègue. Donc au préalable, nous avons fait cet exercice, cette discussion entre nous. Et je crois que s'il y avait eu un problème à ce moment-là, dans la mesure où j'avais été mandaté comme expert principal de cette expertise, je crois que j'aurais fait en sorte qu'elle ne débute pas et qu'elle n'ait pas lieu, pour éviter toute influence de notre propre psychologie ou de notre propre histoire respective, l'histoire collective, je veux dire, qui aurait pu interférer. Et là, il n'y a pas eu de problème. Vous avez parlé, en ce qui concerne l'accusé,
de la difficulté qu'il a encore à exprimer des sentiments. Pour autant, au moins à deux reprises dans ce processus judiciaire, on a vu l'accusé envahi par des crises intenses de larmes. Plus exactement, à trois reprises. Première fois, à Chung Hek, pendant la reconstitution, il s'effondre, littéralement, devant la fosse où on a retrouvé des cadavres d'enfants. Deuxième fois, à la reconstitution toujours, à S21, il s'effondre sur l'épaule d'un de ses gardiens alors qu'il essaye de lire sa déclaration aux victimes et qu'une des victimes se met à pleurer. Et on a diffusé l'autre jour ce passage. Et troisième fois, à cette audience, alors qu'il parle d'une des victimes de S21, le professeur Puntong, alors que la veuve et la fille de cette victime sont présentes et sont bouleversées à l'évocation de ce nom, ils font Allah. Et je demande seulement à vous en tant qu'expert comment vous analysez cela de la part de quelqu'un qui effectivement normalement bloque ses émotions et qui pour autant par moment laisse échapper vigoureusement ses émotions sans les contenir. Est-ce que ça participe du processus dans lequel il est? J'ai besoin de votre réponse. Oui, maître, cela participe du processus. Nous avons fait référence hier au mécanisme du clivage, à savoir un mécanisme psychologique qui consiste à séparer les émotions de la pensée rationnelle ou de séparer différentes parties de soi, qui jusque-là étaient maintenues étanches, mais on ne reste pas clivé à vie. Et notamment, je suis aussi psychothérapeute par ailleurs, c'est un de nos travails, un de nos travails aussi ailleurs, en psychothérapie de lever, et je peux dire que c'est possible. Il n'y a pas que la psychothérapie qui amène à la levée du clivage. Il y a aussi tout le processus judiciaire, notamment. Là, nous constatons qu'effectivement, il y a des émotions d'un côté, les pleurs, cela peut révéler aussi le fait que le clivage n'est plus aussi étanche, on n'est plus dans le même fonctionnement psychologique. On peut aussi se demander si on analyse encore davantage, il y a certaines situations qui peuvent susciter de l'émotion chez l'accusé et d'autres non. Probablement, lorsqu'il est face au aussi à des personnes qui le respectent, puisque nous avons dit que la levée du clivage est aussi un processus. Probablement, ce qui le touche le plus est objet d'intenses émotions et d'affection. Il s'agissait d'un professeur, et donc là, effectivement, peut-être, là, ce sont des hypothèses que nous n'avons pas pu vérifier, mais les pleurs ont eu lieu à des moments particuliers. De même, je crois, lorsqu'il était lorsqu'il a connu en meilleure forme. C'est aussi quelqu'un qui a son âge. On peut aussi estimer qu'il y a une possibilité de projection entre son métaphysique et celui du même. Donc, je veux dire que si j'illustre cela par ces exemples, c'est pour dire que le clivage aussi
répond à un processus. On n'est pas dans un tout ou rien d'expression de ces mots. Merci pour cet éclairage culturel qui est très important pour les non-Khmers. Alors en même temps, on a bien vu dans toutes ces audiences et on a entendu le cri des victimes qui ont, elles, le sentiment que Duc ne va pas assez loin. Vous avez dans votre rapport, tous les deux, rappelé que vous avez utilisé vous-même, je ne sais plus à quelle page, le terme d'un régime qui était devenu paranoïaque. Je ne sais comment on pourrait exprimer publiquement, que les victimes n'auront pas toutes les réponses sur ce qui s'est passé pendant le régime, parce que Duc ne les a pas. Est-ce que vous pouvez nous dire juste deux mots, mesdames et messieurs l'expert, sur ce que vous appelez une dérive paranoïaque du régime dans votre rapport? Est-ce qu'aujourd'hui, qui que ce soit peut donner un sens à ce qui s'est passé? Est-ce que ce qui s'est passé avait du sens? Ou est-ce qu'on bute sur le mot paranoïa? Et qu'il n'y a donc plus de sens.
C'est une très question très importante, maître. Mais d'abord, nous ne sommes pas historiens. Je tiens à le dire. Nous n'avons pas parlé du régime, mais dans ce que nous apprend l'approche géopolitique clinique, c'est-à-dire la prise en compte de l'histoire individuelle et de l'histoire collective, nous sommes aperçus que dans les pays à dérive paranoïaque, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui sont devenus paranoïaques. Si nous établissons un diagnostic selon les critères nosographiques, nous sommes dans une vraie description de la paranoïa, c'est-à-dire un délire logique où il y a une amplification de la figure de l'ennemi, le besoin de protection et la paranoïa galope, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, rien n'apaise le paranoïaque. Nous avons évoqué hier un diagnostic psychopolitique au sujet de l'accusé, mais aussi au sujet, on pourrait dire, de l'ensemble d'un pays, à savoir que petit à petit, l'ensemble du pays, tous les rouages fonctionnent de la même manière que un individu, le changement psychologique que demande l'adaptation de la psychologie d'un individu au changement de régime. Et à un moment donné, les deux fonctionnent de la même manière. Sauf que tous les individus du peuple, on va dire, ne deviennent pas paranoïaques, mais ils doivent s'adapter, développer des mécanismes psychologiques d'adaptation pour s'adapter et survivre à ce régime, à savoir la dissimulation, ça peut être la, le clivage aussi, ça peut être l'excès de zèle, l'hyperadaptation pour la survie, pour lutter contre la terreur. Enfin, en résumé, il y a véritablement une psychologie de l'homme qui vit dans un pays soumis à un régime totalitaire qui n'est pas la même que la psychologie d'un homme qui vit dans un État démocratique. Rồi có song sai nè là tây ní để chỉ biết sao bà ra ra paranoia chỉ cao bật nè nó về đại nhóm chiên châu nó đồng bông tận đó đại đầy rụng đó để chỉ đại đây trụt trà đời nè đặng nón không ai có hòm dương hai miên à ro muối hạ đô chia nẹt đại chi không ai có hòm vì cử chỉ chôn công ni tiếng nút hay nâng cấm bộ dương đại bàn chùm liệt tận nơi nút chia một nút nông phốm mình đội kia dương hạ đôi chỉ miết ca tục chất nâng chưa chẹt từ lưa ông vây đại kỵ bàn rìu rọp ráp đòi dương bàn thằng thay bị cha là nà tái nẹt đại chi đồng bài tới được đồng nàng thọ về nhé. Your Honours, ordinarily I don't like to interrupt proceedings and says the testimonies of expert witnesses, but most respectfully I would submit that Your Honours made wise the Cambodian expert
not to make personal observations of his own experiences under the Khmer Rouge. He has just told you that he was a victim, yet he would divorce himself from his personal experiences and give an objective testimony. What we just heard was essentially his personal experiences. I don't mean to interrupt further, but just Your Honor's advice would be sufficient. Thank you very much. អគុណនៅចំពោះការកត់តម្កល់របស់លោកដំណើរសភាញ៉ាអន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះអរគុណព្រះសូមរំលឹកដល់អ្នកជំនាញថាអ្នកជំនាញនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ដល់ទៅខៃកម្មនេះមិនក៏បីលើកអំពីហេតុផលទាំងឡាយដែលជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទេទាំងពាក្យថាជាជនក្នុងគ្រោះទាំងអ្វីដែលជាកើតឡើងសម្រាប់ បុគ្គលរបស់លោកគឺមិនគាត់បីលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើសក្តិកម្មឬក៏របាយការណ៍ក្នុងនាមអ្នកជំនាញទេដើម្បីជាហេតុផលពីថាអ្វីដែលជាយកការដឹងផ្ទាល់ខ្លួនមកបង្ហាញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចយល់អំពីបញ្ហានេះបានសូមអរគុណយល់ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានសិក្សាផងដែរ បានមើលឯកសារគឺក្នុងរបបប៉ុលពតគេបានលើកពាក្យស្លោកថាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មិនសន្តិភាពនិយមមិនស្កប់ស្កល់និយមដែលជាទិសដៅជាទូទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តរបស់ខ្មែរក្រហមមិនត្រូវទុកចិត្ត អ្នកដតីនេះជាគោលការណ៍របស់របបខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឲ្យមានជាគំនិតមិនទុកចិត្តគេឯងឬក៏សង្ស័យគេជាប្រចាំបានសេចក្តីថាជាភ្នត់គំនិតមួយដែលត្រូវបានបណ្ដោះទៅលើជួនកុម្មុយនីស្តតាមបែបខ្មែរក្រហម ទើបបានបង្កើតទៅជាបរិយាកាសមួយមិនទុកចិត្តនិងសង្ស័យគេជាប្រចាំបាទសូមអរគុណ Merci, il me reste deux questions. D'abord celle-ci pour rebondir sur ce que vous disiez sur le contexte du régime et quand Duc dit au juge d'instruction j'ai été à la fois acteur et otage de ce régime. Est-ce que ça représente bien ce que vous venez de décrire de ce régime à son niveau personnel? J'ai été à la fois acteur et otage de ce régime et l'ajoute de ce régime criminel. ចំពោះពីដែលលោកបានសួរថាលោកដូចបានរៀបរាប់ថាគាត់ជាចំណាក់ខ្មាំងក្នុងរបបនោះនេះជាទស្សនៈរបស់លោកដូចប៉ុន្តែដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យអស់លុះត្រាតែក្រុមយើងនេះធ្វើការងារស្រាវជ្រាវសំដៅស្វែងយល់ឲ្យឃើញថា គាត់ជាមនុស្សមួយស្ថិតក្នុងសភាពចំណាប់ខ្មាំងឬអត់តែគោលបំណងនៃការដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជំនាញមិនមានផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវឃើញថាគាត់ជាកំណត់ចំណាប់ខ្មាំងឬក៏អត់ទេហើយដូច្នេះចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់លោកបាន
je rajouterai auteur, acteur. Il me semble que dans les différents entretiens d'évaluation, d'expertise que nous avons eus avec il a été mentionné ces deux positions. Je ne pourrais pas vous assurer, maître, que le terme d'otage a été utilisé, mais nous avons exploré, analysé ensemble les mécanismes de rouage. Et effectivement, ces deux positions, sans vous dire de mémoire, je ne sais plus si le terme otage a été utilisé, mais en tout cas, il a reconnu qu'il était acteur, et également dans cette position, il ne pouvait pas sortir. Je crois que mon collègue qui a repris le terme de rouage comprenait ce que... Mais je tiens à dire que l'accusé a reconnu ce que nous a expliqué aussi et nous avons compris de lui qu'il était dans ces deux positions, même si, comme le dit mon collègue, cette question ne nous a pas explicitement été posée. Elle ressort de notre analyse. Merci. Et donc, ma dernière question. Vous avez dit avant de déshumaniser la victime. Est-ce que dans le processus dans lequel Bouc est engagé, on peut se réhumaniser? Est-ce que c'est cela que vous nous dites quand vous dites qu'il est réadaptable et réinsérable? Maître, oui, nous pouvons répondre à votre question. Si vraiment nous faisons tout le tour de l'ensemble des éléments que nous avons analysés concernant sa personnalité, concernant la fabrication de l'histoire collective, l'influence de l'histoire collective sur l'accusé, en analysant également la psychologie de l'accusé depuis le début de la procédure, nous pouvons répondre à votre question, et on peut aussi être de différentes manières, d'autres éléments, je ne vais pas me décrire, juste illustrer courtement à préciser. Vous m'avez posé la question par rapport à l'accusé. Je tiens également à dire que nous avons à nous occuper de l'accompagnement psychologique, de la psychothérapie, d'auteurs. De victimes, de violences collectives, quel que soit le niveau des commanditaires, des planificateurs, un peu moins, mais dans l'ensemble de ces suivis psychologiques. Il y a effectivement la possibilité de constater qu'il y a des possibilités d'évolution, pas chez tout le monde. Alors, vous livrez une question sous forme de réflexion. Vous avez dit, l'autre, avant de déshumaniser la victime.
Cela va contribuer à réhumaniser aussi les victimes. Maître, je dirais que la réhumanisation d'un bourreau est un des mécanismes nécessaires et d'importance. Ce facteur a un poids très important dans le processus aussi de réhumanisation de la victime qui a été déshumanisée par les bourreaux. Mais c'est un processus pour la victime. Il y a énormément de souffrance dans la mesure où la déshumanisation, elles ne l'ont pas voulu. Parfois le bourreau non plus lorsqu'il est dans un façonnage. Mais pour revenir à la victime, là aussi c'est un processus et là ma capacité de projection parce que je ne peux pas répondre à leur place, mais je peux simplement dire que pour avoir depuis 20 ans soigné des victimes de torture et de génocide, lorsque les victimes que j'ai essentiellement vues à Paris, parlant de personnes qui sont en état de migration qui vivent dans d'autres pays, lorsqu'il y a impunité dans leur pays d'origine, lorsqu'il n'y a pas de procès, lorsque les auteurs ne reconnaissent pas ou nient le soin des victimes, leur amélioration de leur état de souffrance est beaucoup plus difficile que lorsqu'il y a un processus collectif de reconnaissance ទៅបានអារម្មណ៍ធូរស្រាលឡើងវិញចំពោះការឈឺចាប់និងការកាត់ឡើងចំពោះគាត់ដូច្នេះហើយវាតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃប្រទេសមួយដែលវាជាក្របខណ្ឌនៃការពិចារណាបងដែរ ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះដល់ឱកាសដល់ជនជាប់ចោតដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញទាំងពីររូបដែលបានធ្វើកាលពីម្សិលមិញហើយនឹងអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញ សូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានមតិតាមរយៈលោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកជំនាញទាំងពីរដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យយល់បញ្ហាជាជំរឿខាងចិត្តសាស្ត្រសភាពការផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំច្រើនទន្ទឹមនេះខ្ញុំពិតជាមានបំណង ចង់ឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលលោកអាចទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាជាមនុស្សម្នានឹងគេតទៅទៀតនេះជាបំណងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំដែលរំពឹងថាលោកសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកជំនាញទាំងពីរនឹងជួយខ្ញុំតទៅទៀតតាមការអនុញ្ញាតរបស់អង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណ លោកលោកស្រីអ្នកជំនាញអង្គជំរះអរគុណចំពោះលោកស្រីលោកដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើរដីថ្លែងការធ្វើរបាយការណ៍បង្ហាញអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ជនជាប់ចោតនិងឆ្លើយនិងសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់ជនជាប់ចោតនេះ ពីសំណាក់អង្គជំរះនិងភិក្ខី ហើយ
ការកត់តម្កល់នៅសំណួរចម្លើយទាំងអស់នោះគឺពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញនិងលំបាកប៉ុន្តែអង្គជំរះកត់តម្កល់ឃើញថាអ្នកជំនាញមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយរហូតដល់ពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយដូច្នេះគឺដំណើរការនៃស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញឃើញថាចប់ហើយ លោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងឬក៏គោលដៅដែលអស់លោកស្រីចង់ទៅបានហើយហើយដោយសារដំណើរការបន្តទៀតគឺត្រូវដំណើរការសម្ដែងការមួយម៉ោងកន្លះដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអង្គខ្ញុំជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការធម្មការស្ដាប់សាក់សីបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតជនជាប់ចោតសូមអញ្ជើញក្រោយចូល